Et mes oiseaux piaillant debout, chinés, sous les greppes de la nuit, avec leur crêpe de coutis et leur fourreau fleuri de trous, à mes compagnes de pain rassis, à mes frangins de l'entrebise, à ceux qui cherchaient leur chemise au givre des perlons minuit, à l'araignée, la toile au vent, à Biftec, baron du homard, et sa technique du caviar qui ressemblait à du hareng, à bec d'azur du pif content qui crêchait côté de Sancerre sur le midnight à moitié vert, aux spécialistes de l'Ashkumun qui se sapait de courant d'air et qui prenait pour un steamer la compagnie Blondin and Clown, au pané qui, la langue au pas, en plein hiver mangeait des nèfles, à ceux pour qui, dessous de trèfle, ça valait une cravena. À cela, je laisse la fleur de mon désespoir en aller maintenant que je suis paré et que je vais chez le coiffeur. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot, regarde la lune qui te cafarde, cette américaine moucharde qu'ils ont vidée de ton pipeau. Ils t'ont pelé comme un mouton avec un ciseau à surtaxe. Progressivement, quand tu maxes, tu belles à tout va la chanson et n'achètes plus que du vent encore. Que la nuit venue, il y a ta cavale dans la rue qui ennie en te klaxonnant. Le droit, la loi, la foi et toi, et une éponge de vin sûr. Ton Beaujolais qui fait le mur et ta pépé qui fait le toit. Et si vraiment Dieu existait, comme le disait Bakounine, ce camarade vitamine, il faudrait s'en débarrasser. Tu traînes ton croco ridé, 60 berges dans les flancs et tes chiens qui mordent dedans le potoriste de l'amitié. Un poète, ça sent des pieds, on lave pas la poésie, ça se défenestre et ça crie aux gens perdus des mots fériés, des mots, oui, des mots comme le nouveau monde, des mots venus de l'autre côté de la rive, des mots tranquilles comme mon chien qui dort, des mots chargés des lèvres constellées dans le dictionnaire des constellations de mots. Et c'est le bonnet noir que nous mettrons sur le vocabulaire. Nous ferons un séminaire particulier avec des grammairiens particuliers aussi, et chargés de mettre des perruques aux vieilles poufiasses littéromanes. Il importe que le mot amour soit rempli de mystère et non tabou de péché, de vertu, carnaval romain, des draps cousus dans le salas, dans l'objet de la policière, voyance ou voyerie. Nous mettrons de longs cheveux aux prêtres de la rue pour leur apprendre à s'appeler dès lors Monsieur l'abbé, Rita et Hort, Monsieur l'abbé, bébé, fricoti, fricota. Et nous ferons des prières inversées et nous lancerons à la tête des gens des mots sans culotte, sans bande à cul, sans rien qui puisse jamais remettre en question la vieille, la très vieille et très ancienne, et des mots des querelles du « quand diront-ils » mais du « je fais quand même mes cochons, c'était en toute quiétude » sous prétexte qu'on m'a béni et que j'ai signé chez monsieur le maire de mes deux mairies, alors que ces enfants dans les rues sont tout seuls et s'inventent la vraie galaxie de l'amour instantané, alors que ces enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront, alors que cela est indéniable, alors que cela sera de toute évidence et de toute éternité. Je parle pour dans 10 siècles et je prends date. On peut me mettre en cabane, on peut me rire au nez, ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à l'insurrection. Yes, I am un immense provocateur. Des armes et des mots, c'est pareil, ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs, courbes, comme tu voudras. Il faut mettre Euclide dans une poubelle. Mettez-vous bien dans la courbure, c'est râper vos trucs et manigances. Vos démocraties, vous n'êtes pas question de monter à l'hôtel avec une fille. Si vous n'avez pas été collé par la jurisprudence, c'est râper, mais c'est de la romance. Nous sommes pour un langage auquel vous n'entrez avec que quick. Nous sommes des chiens. Et les chiens, quand ils sont de la compagnie, se dérangent et on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de bonne volonté. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous certaines chiennes, puisqu'elles sont faites pour ça et pour nous. Nous aboyons avec des armes dans la gueule, des armes noires et blanches, comme des mots noirs et blancs. Noirs comme la terreur que vous assumerez, blancs comme la virginité que nous assumons. Nous sommes des chiens, et les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se dérangent, ils se décoliérisent et posent leur os comme on pose sa cigarette.
parce qu'on a quelque chose d'urgent à faire même. Et de préférence, si l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la margoulette, je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis